She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Si l'ennemi veut se servir de mes paroles pour essayer de créer quoi que ce soit, c'est moi la tante biologique. J'ai amorti le choc. L'eau est douce ce soir-là. Hein. Pourtant, matin, l'eau était amère dans ma bouche. Mais le soir-là, l'eau est douce. Je retire ça. C'est très... J'ai un peu soif aussi, donc il faut que j'en profite aussi. Donc, ceux qu'ils ont mis RIP, on dit des versos aussi, hein, n'envoyez pas les démons ici. Un matin, j'ai bu, je n'ai pas versé, donc je bois. Matin, j'ai bu, je bois seulement. Voilà, je n'ai pas versé, ne mettez pas la sorcellerie là-dedans. Matin, j'ai bu, je refais textuellement ce que j'ai vu. J'annule ces paroles-là par la boisson que j'ai bu. C'est tout. Voilà, je ne verse pas l'eau ici. Donc, comme ça, vous avez voulu ma mort. Je suis là, je suis en vie. Ceci étant dit, Kimi doit me payer, me laver. Elle doit me blanchir. Elle m'a offusqué. Oh Seigneur Jésus, les enfants de maintenant. Kimi doit me payer 3 cabris. Le premier avec les yeux bleus. Le deuxième avec des yeux verts olive. Et le troisième avec les yeux tout blancs. Il n'y a pas de noir dedans. 3 cabris pour me laver. Parce que j'ai été agressé verbalement. J'ai été agressé par tous les moyens. Donc on doit me laver. Général Camille Makosso doit m'acheter un bœuf qui porte des lentilles vertes. Maintenant, c'est la vraie sorcellerie, on va commencer maintenant. C'est ce que je demande. Parce que chez nous, les Akans... Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Best Pro Max TV, la chaîne du Japa du Béret. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La toile est en ébullition, la famille, la toile chauffe, ça boue sur la toile, vous savez. Bon, voilà, vous savez déjà, vous êtes déjà au courant de la sortie de Kimi sur sa tante, hein? Et la riposte de Lolo Beauté qui est venu mettre les notes vocales, oui, pour être traité à celle de manipulateur et qu'il est méchant, et tout, et tout, et tout. Ok. Bon. Dans tout ça, Makosso est sorti et demandé pardon à Lolo Beauté. Ok, voilà Lolo Beauté qui vient à son tour. Elle dit que elle demande pardon aux gens au nom de Kimi. Donc elle pardonne Kimi. Elle boit de l'eau là comme signe de paix. Vous comprenez, non? Pour dire qu'elle a digéré le problème, qu'elle annule les paroles de Kimi là. Oui, que ça fait comme ça n'a jamais existé. Donc c'est la famille et tout et tout et tout et tout. Moi j'ai compris quelque chose sur ces gens-ci là. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup d'hypothèses. On peut bien s'imaginer beaucoup de choses. Parce que là moi je vis la sincérité sur la sortie de Kimi là. Oui. Mais une fois de plus, c'est comme si, comme celle-ci détient quelque chose avec lequel elle contrôle Makosso. Elles sont parties encore. Elle est partie convaincre Makosso. Makosso est partie encore maintenant convaincre sa fille. Ou forcer ou convaincre, on ne sait pas. Oui. Bon, que ça va, c'est ta tante, c'est montée, descendue. Bah, pourquoi elle sort et parle fort comme ça là? Elle sait que le général est en train de faire le travail derrière là-bas sur Kimi. Ouais, j'ai pitié de cette fille. Elle ne sait même pas si elle doit avoir pitié d'elle
ou bien je ne comprends pas. Finalement, elle me déconcerte, vraiment, je vous jure. Tout ça, c'était une... Moi, il y a une idée qui me taraude, c'est que tout ça, c'était seulement une manigance, un petit truc pour sortir les nodes là et faire continuer à salir l'image d'Axel. Pourtant, elle est en pleine promotion de ces trucs et il y a les projets qui arrivent. Ou bien, c'est que qui m'était vraiment sincère. Moi, je suis devenu divisé. Parce que si, franchement, Makoso sort, il ne condamne pas Lolo Beauté pour les notes là. Moi, l'affaire là, ça m'a fait un genre. C'est toujours que Lolo Beauté a les trucs, ou bien Lolo Beauté a le mobotape des deux. Que elle dit, hey, moi elle veut balancer ça, hein. Elle veut balancer ça. Tant que moi je m'en fous, mon peptou est déjà même dehors, partout. Les gens ont vu mon peptou, donc c'est toi qui veux jouer au pasteur là. Hein? Moi je veux montrer le mobotep là parce que, hein, ou bien c'est quelque chose comme ça, ou je ne sais pas où c'est la maman pour continuer à descendre à scène, ou c'est que Kim avait vraiment raison. Et qu'elle pleurait vraiment, c'est vraiment sincère ce qu'elle a dit. Et qu'on est en train seulement de. Les deux sont seulement en train de la manipuler. Ou je ne comprends pas. Finalement, la famille, tout c'est dans l'embrouille totale. C'est dans l'embrouille. Tout est dans l'embrouille. Moi, si ces deux, si celle-ci et qui me se réconcilie jusqu'à y continuer et commence à parler, je veux savoir que tout ça c'était de la marmaille. Moi, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça, que c'était de la marmaille. Après tout ce qui a déjà été fait là, déjà été dit. Parce qu'on est là que non. Moi je suis dans l'optique qui me parlait d'Axel. Elle est venue voir Satan comme pour dire que ouais, arrange-nous le problème si. C'est ça. Et par les paroles qu'elle parle, c'est sur l'énervement. Une femme amoureuse, les femmes amoureuses même disent même des trucs pires que ça. Oui, pire que ça. Elle dit, je ne te veux pas dans ma vie. Donc maintenant, alors, c'est qu'il y a réconciliation. S'il y a réconciliation, bon, il dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne veut pas plus Lolo Beauté dans ces choses, c'est tout. Si Lolo Beauté revient encore, elle laisse encore Lolo Beauté venir entrer dans ces choses. Moi, je veux savoir que tout ça, c'était de la marmaille. Que c'était de la marmaille seulement. Pour venir encore exposer à Axel. Assez, fais attention. Il y a quelqu'un qui est venu me dire en commentaire, une personne de notre famille là, qui est venu me dire en commentaire que Arce devait appeler au moins Kimi pour la consoler et tout. J'ai dit non. Moi, j'ai dit dans ma vidéo là que non, Arce doit s'éloigner. Arce doit rester à l'écart de ça. Parce que vous allez voir là, parce qu'il va venir là encore s'approcher là après, quand ils vont se réconcilier là, ça, il va être encore la mauvaise personne. On va dire qu'il voulait, oh, il voulait diviser la famille. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'Axel voulait diviser la famille. Elle me dit non, Axel reste dans son coin. Il ne prononce même pas un mot sur l'affaire ici. Parce qu'on m'a dit que c'est toi qui cherches à diviser la famille. N'est-ce pas l'affaire de Manatu, là, j'ai accusé déjà que c'est Axel qui est derrière la sortie de Kimi. Qui est venu dire le truc de Manatu. On disait déjà que c'est Axel qui est derrière. Les gens qui font le live, ils disaient déjà ça. En tout cas, Axel reste dans ton coin. On observe, on va voir ce qui va arriver. Tu l'as fait, c'est on voit la suite. On attend la suite. On attend seulement. C'est la suite qui va nous dire. C'est là où on va vraiment tirer nos conclusions et la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.